quoi, c'est une petite révolution dans le monde des isekai, solo leveling. Eh bien c'est faux, mais pas déconnant, un peu de contexte. Déjà c'est quoi un isekai? Revenons en 1981 où sort ce qui est considéré comme le premier isekai moderne, Isekai no Yoshi. Littéralement, guerrier d'un autre monde de Haruka Takashio qui pose les bases du genre. Un lycéen qui se retrouve transféré dans un autre monde et le sauve d'un désastre. Le genre connaît une première fois le succès en 1991, entre autres à cause de la crise financière que traverse le Japon, avant de connaître un âge d'or à partir de 2009 avec la sortie de Sword Art Online et de la quantité de titres qui ont suivi, qui d'ailleurs n'est pas un isekai d'après son auteur. Sauf qu'au final, le genre n'a pas de réelle définition autre que sa traduction littérale autre monde, mais il a ses codes avec en particulier deux grandes catégories. Isekai Tensei, où le personnage meurt et se retrouve réincarné dans un autre monde sans possibilité de retour, et Isekai Teni, où le personnage se retrouve à faire un déplacement dans un autre monde sans possibilité de retour, à moins de faire le chemin adverse et de revenir dans le temps. Le point commun, c'est un aller simple dans un autre monde qui est différent du réel, donc celui des esprits. Cherchez pas, c'est normal, c'est le Japon. Ce qui ne correspond pas vraiment à Solo Leveling, qui est plus de la Portal Fantasy au même titre qu'un Kingdom Hearts, où l'héros fait des voyages entre son monde d'origine et d'autres univers plus ou moins fantastiques pour y gagner en force et en compétences, voire les sauver. Un genre qui est d'ailleurs particulièrement populaire en Corée, dans les mandois et les webtoons. Même s'il faut reconnaître qu'elle détaille très bien son point de vue dans sa vidéo. Après qu'on aime ou pas Mademoiselle Soso, le harcèlement c'est mal et puni par la loi, surtout qu'au vu des stats de la vidéo par rapport à la sauce qu'elle s'est pris, pas grand monde a dû la voir. Abonne-toi pour plus d'actu.